Salut tout le monde, c'est Seth du salon, j'espère que vous allez bien. Et Didine qui est malade. Et voilà. On est tous, il y a une grosse épidémie en ce Ouais. moment. Ah là, on est bien malade. Hein. Vous l'entendez à ma voix, je pense. On est Ouais, bien malade. oui. Bon, alors là, on joue à quoi? Alors, c'est un petit jeu qui nous a coûté 3 euros et des poussières. Ouais, ça Parce pas que cher aussi, du tout. le but de la chaîne, c'est aussi de vous montrer des petits jeux pour les petits, les grands, enfin vraiment pour tout âge. Donc sur Nintendo Switch là actuellement et voilà et c'est un jeu qui ressemble énormément à un jeu que ce enfin que, sur lequel j'avais déjà joué sur portable. Oui. Là, ils sont Ouais, portables, mais je pense hein. qu'il s'appelle autrement mais parce qu'il y a des personnages j'allais voir qui vont vous parler. Donc on va commencer. Donc bien évidemment, c'est moi qui vais prendre la manette hein, parce que Ah oui. c'est pas le genre de jeu auquel Ced y joue. Non, moi, c'est pas mon truc, mais j'aurais vachement du mal si j'aurais, moi, ça dans les mains. Après, le but d'une chaîne gaming, c'est aussi de vous montrer tout type de jeu. Bah, ça, c'est clair. Voilà. Donc, Sinon, ça sert à rien de présenter des jeux. après, c'est sûr que c'est un jeu, on n'y passe pas 3 jours, quoi. Mais de temps en temps, quand on a envie de prendre un jeu un peu bête, quoi. Voilà, ouais. Donc, on a un petit tuto. Tout d'abord, nous allons vous apprendre les contrôles de base, ce qui est normal. Souvenez-vous, il est possible de basculer à tout moment entre les contrôles Joy-Con et écran tactile dans le menu des options. Ça, c'est bien. Il est temps de se mettre au boulot. Donc pour préparer le steak, on déplace le curseur, donc c'est la petite main, sur la viande fraîche. On appuie sur le A. Le A pour valider. Ouais. D'accord. Pour mettre le steak en cuisson. Et donc là, on rappuie, tac, tac, on appuie tout le temps sur le A. Ah, et on peut, si on veut avoir un steak d'avance, le mettre sur le chauffe-plat. Ok. Pour les jus de fruits, c'est le L. Ça marche aussi pour le café? Ah, je sais pas. Donc après, ZL. Et on appuie sur le A. Le Y pour prendre l'argent. Ok, continuez comme ça. Donc je crois que le premier palier c'était 20 pièces. Donc on va prendre un peu d'avance. Hop. Un hamburger, s'il vous plaît. Ah bah elle a déjà mangé. Un jus de fruits, s'il vous plaît. Alors, hop, hop, hop. Ça demande, enfin c'est pas la même chose que en sur téléphone. Je trouve que c'est un peu moins. C'est un peu moins entraînant que manette tactile. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Enfin, parce qu'au tactile, tu peux aller super vite. Là, il faut. Voilà, il faut que tu gères tes coups à l'avance, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, elle doit aimer le vert, elle, hein. Oh bah. Oh bah, il y a des feux d'artifice en cuisine, tout va bien, les gars. N'ayez pas peur, les explosions dans la cuisine, ce n'est pas un. C'est juste les étoiles. Donc on a 3 étoiles et on a débloqué la friteuse. Oui, qui fait des frites. Ouais, ça c'est évident. Remarque, une friteuse, ça peut faire d'autres choses. Ça s'appelle friteuse. On peut faire des potatoes. Alors donc, du coup, bah, on va apprendre à utiliser la friteuse. Ou des nuggets. Donc, c'est un peu le même principe. Oui, ou enfin moi, des fois, tu sais, je fais mariner du poulet avec de l'ail, citron, tout ça toute la journée. Enfin, un vrai poulet, quoi. Et après, tu le fais frire aussi, c'est bien. Ouais. Faire plein de choses. Donc c'est toujours le même principe que le steak. Hein. On appuie. Ok. Et les frites, après, tu mets dans le compartiment jaune. Ouais. Ok. Et je crois que si c'est comme dans le jeu de téléphone, on peut en faire plusieurs. Donc on sert beaucoup ces deux trucs directionnels là, le joystick là, et puis le A quoi. Il n'y a que directionnel et le A, c'est tout. Ouais. Et après par contre pour tout ce qui est Ouais, jus pour là c'est le le jus de L, fruits. le ZL là et après le D'accord. A pour donner. Ok. Ah oui les amis, excusez-moi, hein, rien de tout. Ouais, elle a de la toux, ouais. Vais-je survivre? Je ne sais pas.
C'est à un moment donné, la Tessou ne se... enfin, ne disparaît pas, hein. C'est juste... Non, tu achètes des améliorations, ouais, des nouvelles poêles, des nouveaux chauffe-plats, okay, un pain supplémentaire. Et si tu les prends pas, ça met automatiquement dans ta cagnotte. Ouais, ça. D'accord. Donc on y va, hop. Ah, lui, il demande les deux, lui. Un steak et de quoi boire. Ok. Mais est-ce que tu peux améliorer l'intérieur de ton restaurant? Je pense après, mais au début, c'est très basique. Hein. Ouais. D'accord. C'est comme dans tous les jeux de... même sur portable, c'est la même chose. Au début, c'est ils attendent, voilà, qu'on prenne bien le jeu en main, et puis après... J'aime bien les feux d'artifice. Hein. Ouais. Bah, c'est parce que j'ai réussi la mission. Dans un restaurant, faire des boum-boum, ça fait un peu bizarre, quand même. On est toujours en 3 étoiles. Et là, on a débloqué le fromage. On peut améliorer la cuisine. Ah, ok. Donc, on a 300 pièces. Ok. Les pièces grises, c'est des pièces rares ou c'est les jaunes qui sont des monnaies rares? Ouais, ok, donc j'ai pas le choix, quoi. C'est le tuto, on est obligé de faire la poêle. Ok. Ok. Donc là, le but, c'est 60 pièces. Avant une minute et quelques. Alors, un fromage, un steak et un steak normal. T'as oublié le steak dans le... Non, j'avais déjà mis. Ah, ok. Et est-ce qu'on peut donner un steak pas cuit? Ah bah ça, après la cuisson, au cas où t'as pas remarqué, mon petit cède. Ça a pas l'air d'être moi qui décide. Donc, là, j'ai fait une bêtise en te parlant. Ah, mais ça arrive. Tiens, il faut que tu mettes l'autre avant, ouais, qu'il brûle. Le problème, c'est que j'espère qu'il... Ouais. Et du coup, ça, bah, je peux pas lui servir. J'ai fait une bêtise, les amis. Seth m'a parlé. Ouais, c'est normal que je pose des questions. Et du coup, voilà, je suis obligée de faire ça. Ah, regarde, elle en veut, elle. Ouais, trop tard. Oh bah, c'est pas grave. Mais tu perds de l'argent, je pense, quand c'est comme ça. Ah. Ouais. La crotte, alors. Et du coup, bah, j'ai que 2 étoiles. Et est-ce qu'on peut la refaire? Je pense pas. Mais en sérieux? Ouais. On peut pas? Non. Ah ouais, mais c'est chaud avec la manette là, hein, je vois. Hein. Ouais, c'est un peu compliqué. Disons qu'en plus, moi qui ai l'habitude de jouer à des jeux comme ça, c'est super pratique, hein, sur le trajet du travail. Hein, je crois qu'on est tous passés par là, les Candy Crush et autres. voilà, c'est distrayant, mais c'est vrai que la manette, c'est pas pareil. Je crois qu'on a tellement l'habitude de le faire avec les doigts que... ouais. Et en plus, ça doit faire bizarre de jouer à un jeu tactile de base. Et de faire avec une manette. Bah honnêtement, je le préfère en tactile que là. Ouais. Mais normal, parce que là, je vois qu'il faut que tu appuies plusieurs fois à droite, plusieurs fois à gauche pour atteindre tel truc. Tandis que là, avec les doigts, ça va. C'est un plaisir. Même en termes de rapidité, là, je pense qu'on va le faire. Donc, on a plus de plaisir avec les doigts que la manette. Ouais. On a débloqué la glace au chocolat. Ah bien ça. Ah, la machine à glace, forcément. Bon, on va faire un dernier petit niveau, puisque bon, c'est une découverte en même temps. Puis, du coup, on verra la machine à glace. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner.
Alors, appuyez sur R, donc c'est de l'autre côté. D'accord. Voilà, la glace à la vanille. Et pour faire de la glace à la vanille, c'est ZR, d'accord. Ok. Ok. Mais je travaille ici, hein. Moi je travaille pas là. Moi je veux une vanille et une chocolat. Ça se voit qu'elle a l'habitude. Hein. Voilà. Ah, elle veut deux hamburgers fromage. Eh oui, j'ai perdu. Je sais pas gérer. Comment on fait, Jeannot? Je sais pas en fait comment faire. Ah, la poubelle là-bas. Oui, mais la poubelle, oui, je veux bien. Mais. Appuie sur A et dirige. Voilà. Ah, bah bien. Bah, ça nous a fait perdre du temps, les amis. Je perds mes moyens. L'autre, elle voulait. Ah, voilà, un fromage, l'autre, pareil. Elle donne la vanille à l'autre là, en même temps, comme ça, ça va se barrer. Moi, c'est à droite. Ouais, mais c'est la manette qui. Elle m'aime pas. Ah ouais. Bah, remarque aussi, l'habitude de jouer en tactile comme manette, c'est. Oh, mais on s'en sort plutôt pas trop mal. Hein. J'ai cramé toute la viande. Voilà. Voilà, des plats en plus pour plus de fardeau. Bon. Eh ben. Musique assez sympatoche, de belles couleurs, difficulté en crescendo. Bah, en fait, pour 3 euros ça pour, sur une console, c'est, bah, ça va, c'est raisonnable. En plus, qu'on peut améliorer. Apparemment, on peut même améliorer les burgers. Même les frites, là, j'ai entendu. Ah ouais. Ça doit être le steak. Ou des additifs. Plus, alors, attends, par exemple, les frites. Est-ce que c'est. De toute façon, comment on fait okay. Les retours. Je sais même pas si j'ai vraiment amélioré les frites. Ils m'ont pris de l'argent, mais. Ouais. Purée. C'est quoi la différence? Ben, c'est qu'en fait, tu as amélioré tes frites pour qu'elles soient plus bonnes. Donc, techniquement, c'est des additifs que tu as mis dedans. Ouais, burger fromage. Par contre, est-ce que c'est normal que l'on voit toujours les mêmes personnes? Ouais, mais déjà dans le jeu, sur le portable, c'est les mêmes. Ouais, il faut qu'on jette la glace, là. Elle est foutue. Il me laisse pas, ok. Bah, les glaces, elles durent pas longtemps, quoi. C'est chiant parce que. Enfin, en termes d'organisation, chocolat, c'est chiant. Burger. Parce que toi, tu veux prendre de l'avance, tu peux pas. Ça me fait penser à quelqu'un dans avec ses cheveux. Les honneurs, 3 étoiles. Et bah bravo. Voilà, bon bah c'était une petite découverte. Bon, je me doute que pour tous nos petits amateurs de Fortnite et de Minecraft, ce jeu n'aura pas été d'un grand intérêt. Non, c'est clair que ce jeu-là va pas intéresser grand monde. Mais bon, dites-le dans les commentaires si toi tu jouerais à un jeu comme ça sur console ou sur mobile, puis même sur console Switch tactile. Ouais.
Enfin bref, quoi, dis-le nous. Hein. Après, pour ceux qui ont des enfants, voilà, moi je vous le conseille. Ouais, bah oui. Ce qui est agréable, c'est que c'est vrai que le portable, c'est tout petit. Des fois, tu t'énerves et tout. C'est petit écran. Ouais. Faudrait que je teste en tactile, voir ce que ça donne. Mais je pense que ce serait mieux. Mmh. En plus, qu'on a le câble, je pense, pour relier. Parce que je me dis, si ça fait comme dans le portable, après ils vont rajouter tomate, salade, tu sais, ça fait vraiment l'hamburger et tout. Salade, tomate, oignon, ouais. Ça va être galère. Ketchup. Bon, ben voilà, ben, on espère que vous aurez apprécié. J'avais pas beaucoup de voix, je suis désolée les abonnés, on est malade. Ouais, c'est pas grave, on dira que c'est la faute du micro. Ouais, ouais. Bon, allez, on vous embrasse et merci encore, on a vu qu'on était à 350 abonnés, c'est magnifique. Ouais, ouais, vous êtes des champions les mecs. Allez, bisous, ciao. Allez, bisous, et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Allez, ciao.